En pleine période de fête, France 2 lance un tout nouveau rendez-vous pour les fans d'animaux et de grands espaces. Incarné par Diego Buñuel et la naturaliste Perrine Cromary, Instinct Animal a convié Julie de Bonnat pour son premier numéro. Et la comédienne Ceste fait quelques frayeurs. Si est-il une expérience hors du commun quoi a vécu Julie de Bonnat pendant 12 jours en mai dernier. La comédienne de 42 ans est en effet partie au parc du Serengeti, en Tanzanie, pour un périple loin des sentiers tout tracés des safaris traditionnels. Car si est à pied que la jeune femme a réalisé son immersion au plus près de la faune sauvage pour le premier numéro d'Instinct Animal, le nouveau rendez-vous de France 2. Objectif, se reconnecter à ses émotions les plus primaires en cassant tous les codes de la société. Pour l'accompagner dans ce périple, la star des combattantes a pu compter sur le grand reporter Diego Buñuel et la naturaliste Perrine Cromary. Et ils ont été d'une aide précieuse lors de ces jours. Julie de Bonnat dans Instinct Animal, mon instinct me dit de ne pas avancer ainsi, la rencontre du trio avec un groupe d'éléphants aurait pu mal se passer. Alors que Diego Buñuel explique à Julie de Bonnat qu'il faut partir, celle-ci ne bouge pas d'un poil, fascinée par les pachydermes. Elle me dit, non, si est-il bon, je suis en communication avec les éléphants. Il me parle, se rappelle le réalisateur, amusé. Perrine me dit que l'on va avancer. Je trouve que les éléphants sont prêts et demandent ce qu'il faut faire s'ils chargent. Elle me dit qu'il ne faut surtout pas bouger. Mon instinct me dit de ne pas avancer parce qu'il se passe quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je me retourne et vois 60 éléphants derrière nous. Alors, quand Diego me dit, on s'en va, je lui réponds, non, on m'a dit de ne pas bouger. Si est-il dangereux, les informations contradictoires en cas de danger. Heureusement qu'il m'a prise de force et bougé, explique Julie de Bonnat. Mais ce n'est pas le seul danger qu'elle a évité. Je l'entends hurler le premier soir du tournage, Julie a eu un serpent dans sa tente. Je l'entends hurler après moi, parce que si est-il moi qu'elle appelle, nous raconte Perrine Cromary. D'un calme olympien, la naturaliste débarque donc dans la tente de la comédienne. Je prends le serpent, lui parle et lui explique que je ne suis pas là pour l'agresser. Julie était bouche bée. Elle m'a demandé comment je faisais. Je lui ai répondu que je n'avais pas peur. On a appris à avoir peur de la nature, on s'est sécurisé à mort. Il faut apprendre à contrer cette peur, faire descendre le mental, écouter notre corps et nos sens. Si est-il ce que j'ai appris à Julie. Aujourd'hui, elle a changé, confie la naturaliste. Et cela semble avoir fonctionné, tant l'actrice semble métamorphosée par cette immersion vraiment pas comme les autres. À lire aussi j'ai ressenti le calme, Julie de Bonnat métamorphosée par son voyage en Tanzanie pour Instinct Animal, elle se confie dans quelle époque.